Bon, alors en fait, le sujet de la conférence aurait pu sobrement s'appeler cadre retour d'expérience, le projet tirage gagnant, mais ça faisait quand même beaucoup moins vendeur, quoi. Alors, j'espère d'ailleurs que les conférences de ce matin vous ont plu. J'espère que les 40 prochaines minutes vous plairont d'autant plus. Je me présente très brièvement. Très brièvement, je suis co-gérant d'une agence, en fait, mais d'édition de sites internet. Donc, on crée juste des sites internet pour nous et on les monétise avec un associé, Simon Richaume. On n'est pas que deux, on est quatre avec deux sous-traitants. Une sous-traitante qui gère toute la partie rédaction, un sous-traitant qui gère la partie développement. Aujourd'hui, on va vous parler donc de cet aspect tirage gagnant. C'est notre plus gros projet qu'on a lancé en 2013. Si vous voulez me suivre par Twitter, ISIORF, vous pouvez me suivre, je parle de tout et de rien. Et si vous voulez m'envoyer un mail, prénom.nom@gmail.com. Voilà, c'est terminé. Aujourd'hui, on va essayer de passer de la barrière du sous-l'eau, on va viser le sommet et on va essayer d'aller de l'atteindre. J'ai fait exprès, pour ceux qui connaissent un peu la montagne, c'est l'aiguille de Bionasset, c'est pas le Mont Blanc, j'ai pas la prétention d'aller jusqu'au Mont Blanc, je me suis dit que 4100 mètres c'était déjà pas si mal. Alors tout démarre d'un PLV, c'était pas vraiment celui-là. Pour la petite histoire, à mes 18 ans, avec un ami, on était tombé devant un PLV 100 millions d'euros, et puis on cochait une grille, ou plusieurs. Et puis l'espace de 24 heures, on refaisait notre vie, ou surtout notre futur, avec, ok, qu'est-ce qu'on ferait avec autant de thunes? Quel projet nous mettrons en œuvre? Qui on aiderait? Etc, etc. En 2012, été 2012, je retombe sur le même PLV, sauf que là, j'avais l'étiquette un petit peu éditeur de site. Et je me suis dit, bon, moi, je joue ma grille, combien de personnes jouent leur grille? Le soir, combien de personnes consultent le résultat? C'est ici qu'est née l'idée de faire le site tirage gagnant. Alors là, j'ai un peu grossi les traits. Parce qu'en réalité, entre le mois de septembre et entre le mois de février, où il y a vraiment la création, il y a eu des mois de test. À l'époque, je faisais des sites internet sur Google News et je me suis dit, OK, on va tester pendant 3, 4, 5 mois les retours sur Google Actualité et voir si vraiment il y a une niche et il y a quelque chose à prendre. Il s'est avéré qu'il y avait quelque chose à prendre, il y avait du trafic. Donc on s'est dit, OK, on va lancer ça. Je fais un petit disclaimer. Cette conférence, elle est 100% publicitaire, mais j'ai rien à vendre. Alors l'idée de ce disclaimer, c'est vraiment de vous dire, ok, aujourd'hui, ça va être le cas concret sur ce qu'on a fait, ce qu'on a mis en place, d'où on est parti, où on arrive, où on veut aller. Mais clairement, il faut que vous passiez un petit peu ce cap-là pour vous dire, ok, comment je pourrais appliquer ça à un cas concret, à un cas client ou à mes sites personnels. Disclaimer passé. L'idée, c'était, en 2012, j'ai fait partie des référenceurs qui se sont pris pingouin en plein dans la tête. J'avais un site internet qui générait 2500 euros par mois. Il a perdu 95% de trafic du jour au lendemain, 26 avril 2012, je crois. Pingouin, finalement, j'arrive à 250 euros par mois. C'est un petit peu compliqué pour payer son hébergement et pour manger. Donc je me suis dit, plus jamais ça. Plus jamais ça, parce que j'y avais passé vachement de temps. Je faisais en fait des techniques black hat, mais en mode white hat, c'est-à-dire à la main. Donc j'ai perdu vachement de temps. Donc je me suis dit non, plus jamais ça. Plus jamais ça. Donc, à la conception de ce site internet, on s'est dit, OK, on va partir sur des piliers. Premier pilier, l'idée. L'idée, c'est quoi? C'est quelque chose qui nous ressemble, qui nous passionne. Alors, passionné avec des guillemets, on n'est pas passionné forcément par le jeu d'argent, sauf que moi j'ai un vice, peut-être comme d'autres d'entre vous, vous avez d'autres vices. Mon vice, c'est de faire un peu de poker en ligne, un peu de paris sportif. Du coup, le jeu d'argent, ça s'est un petit peu ouvert à nous en disant, OK, bon, ça me parle, on est parti. Deuxième pilier, la notion de brand. Les EMD, l'Exact Match Domain, c'était ce qui m'avait fait tomber, notamment en avril 2012. En avril 2012, j'avais le site jeuguerregratuit.fr. J'avais décidé de faire du netlinking jeu de guerre ancré sur optimisé, donc il s'est fait éclater en vol. Très concrètement, je me suis dit, OK, le prochain qu'on fait, on essaie de construire vraiment quelque chose. On essaie de construire quelque chose où les gens, dans les dîners mondains, pourront dire, ah, moi je vais regarder les résultats de l'euro million sur tiragegagnant.com. Ça a quand même beaucoup plus de gueule que résultatsduloto.co.uk. On est d'accord. Troisième pilier, le pilier de l'entourage. C'est certainement d'ailleurs le pilier fondateur et celui qui nous a permis de rapidement créer de l'audience. Ce pilier entourage, c'est quoi? C'était de se dire, on a eu 5 mois de thèse justement avec que du Google Actualité, d'ailleurs ce qui m'a valu le retrait de ce fameux site internet qui parlait d'iPhone. Google n'a pas aimé que je parle d'Euromillion, il nous a banané le site. Mais on avait appris, on avait beaucoup appris, on s'était dit, OK, quand on lance le projet, on le lance accompagné de personnes, d'un pure player, d'une presse qui voudra bien réaliser un partenariat win-win en disant, nous on sait comment vous apporter du trafic, on met une bannière pour envoyer nous vers des pages qui parlent de résultats, tout le monde est gagnant, vous vendez au CPM, nous on fait du CPC derrière. Et quatrième pilier, le temps.
Alors nous, on fait partie des agences, enfin des éditeurs de sites qui ne fonctionnons pas au côté industriel. On ne sait pas faire. On n'a pas envie, mais surtout, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire des centaines, des milliers de sites internet. Donc on s'est dit, ok, c'est cool, on repart de zéro, on va y mettre du temps, on est deux, on a un petit temps plein à passer, et clairement, on va passer du temps uniquement sur ce site internet-là. Ces quatre piliers ont permis d'avoir la slide suivante, qui est un petit pied de nez, en fait, à toutes les storytelling que vous entendez sur les starterpeurs qui ont passé 4 ans en mangeant des pâtes dans une cave sans électricité. Et ben, finalement, nous, ce qu'on voulait dire, c'était que si vous basez les quatre piliers, l'idée, le brand, l'entourage et ce quatrième pilier que je viens d'oublier, qui est le temps, vous allez, en l'espace de 1 à 3 mois, réussir à générer déjà un petit salaire. Alors on s'est fait 400-500 euros et puis on a réussi à générer un SMIC dans les 6 premiers mois. Donc l'idée, c'est pour tordre le cou à on est obligé de cravacher pendant 4 ans, on va rien manger, on va attendre la levée de fonds pour réussir à se payer. Voilà, ça c'était parenthèse passée. Donc comme tout le monde, on commence petit, on commence chiot, on commence bébé. Et comme d'habitude, bah, en 2012, il y a encore plein de choses qui se passent dans la tête d'un SEO. Alors du coup, dans la tête d'un SEO, il se passe qu'on va aller sur ThemeForest, on va prendre un thème WordPress, paf, un petit peu con, ça coûte 45 $, donc c'est pas grave. Il est encore live hein, pour 2 semaines. Mais... sur ce thème, on va y coller de la pub, hein, uniquement au CPC. Hein, on se disait, bah, ça apporte du trafic, on va faire uniquement de la monétisation au CPC. Ça paraît logique. Le netlinking, on va le faire comme on sait un peu le faire. Donc on va faire des annuaires. Donc il y a 3 exemples d'annuaires, la Gitane, Next SEO, et puis le premier, mais surtout ça a été pour moi peut-être une erreur. En tout cas, si je devais, pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas très fan des liens annuaires. Alors, si je devais le refaire, peut-être que je ne le referais pas comme ça. Peut-être qu'aujourd'hui, à part des sites internet très nichés, très spécialisés, très locaux, je me passerais peut-être de ces liens-là. Par contre, je sais qu'il y a énormément d'aficionados, et comme moi, j'adore le lien facile. Je vais vous donner quelques petites pistes. C'est le petit tips, vous pouvez aller sur ces sites-là. Sur ces sites-là, vous pouvez pouvoir créer des fiches start-up. Et pourquoi je vous conseille d'aller sur ces sites-là? Parce que ces sites, ils ont une réelle raison d'exister. Les autres sites annuaires, la plupart du temps, ils n'ont pas vraiment de raison d'exister. Ici, par exemple, Gust, si vous ne connaissez pas, Gust, c'est un site internet américain qui met en relation des investisseurs avec des start-up qui veulent lever des fonds. Et puis ça vous permet surtout d'avoir une fiche start-up, entre guillemets, et d'avoir un backlink. Startup Online, c'est un site internet spécialisé dans les offres d'emploi pour du monde du startup IoT. Et les Pépites Tech, c'est l'annuaire et le site internet qui propose des fiches et des interviews pour les startups liées à la French Tech. Donc tous ces sites-là, en fait, ils sont bons. Allez, on passe ça, on passe un peu aux choses sérieuses. On avait fait un site internet sur un WordPress un peu pourri. On y a mis de la pub uniquement en monétisation AdSense. Mais on a réussi à faire un partenariat win-win. Et ça, finalement, je vous l'ai dit tout à l'heure, point numéro 3, ça a certainement été notre côté le plus salvateur. Jolpress était un petit pure player qui voulait un peu monter, qui avait une très bonne ligne éditoriale, mais qui n'arrivait pas à avoir de l'audience. Du coup, ils étaient contents d'avoir de l'audience pour pouvoir payer leurs journalistes et faire du bon contenu. Et un peu plus tard, on a eu l'Ops, où on a eu un blog spécialisé sur la loterie qui nous ont fait rentrer dans Google News. Très concrètement, dès le lendemain, je vous dis, il a été créé le 22 février, donc j'ai pris les stats du mois de mars, 93% de notre trafic émanait de sites référents. Ce trafic-là, il représente 260 000 visites environ. Il nous a fortement aidé en SEO, parce que c'était des liens qui étaient cliqués, c'était des liens qui étaient puissants, c'était des sites qui étaient visités. Sauf que, une fois qu'on a ces trois petits piliers, et surtout ce lancement un peu site de niche, on va pas plus loin, quoi. On va pas plus loin. On est finalement peut-être qu'un site comme les autres. Donc c'est le moment de s'affirmer, c'est le moment de se dire, ok, il va falloir passer la vitesse supérieure, il va falloir être, sans parler d'innovant, il va falloir regarder ce que font les autres pour dire, ok, bon bah lui il fait ça, il fait ça, il fait ça. Ah en fait ils font 95% d'automatisation. Ils automatisent tout. Ils scrapent les résultats pour ceux qui font vraiment les choses le plus simplement possible, ou d'autres font du master spin sur des pages de tirage. Par exemple, nous, on avait ciblé la requête « Résultat loto plus jour ». Je voulais mettre cette petite citation, qui n'est pas de moi, qui est de Adidas. Super intéressant. Alors, on n'est pas premier et on suit un peu de personnes. Mais clairement, l'idée, c'est de se dire « Ok, aujourd'hui, si vous souhaitez être différent, si vous souhaitez monter, je pense qu'il faut être différent. Il faut avoir une patte, créer quelque chose de différent.
qui va finalement vous faire ressortir, et surtout votre audience va se dire, ok, je vais chez lui pour ça. C'est Germain Buteau, du coup, hein, qui m'a fait découvrir cette petite citation. Alors nous, on s'est dit, ok, on a constaté que les sites internet dans cette branche-là n'avaient peu ou prou aucun contenu. Donc, eh ben, nous, on va en faire. On va en faire et on va en faire pas mal. Donc on commence par faire une page par tirage, 5 pages par semaine. Donc à chaque fois que tu as un tirage, loto et un tirage au million. Ça prend du temps, c'est 400-500 mots par page. C'est du contenu qui n'est pas un contenu, c'est pas un contenu journalistique, hein. C'est un contenu qui est vraiment pour le contenu. Hein. Sauf que ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne bien et ça remonte. Et ça, c'était une valeur ajoutée qu'on avait eu au début et qu'on a conservée. Aujourd'hui, même cette nuit, je me suis fait mes pages pour le tirage au million de ce soir, par exemple. Encore en mode bricolage. Notre force, c'était aussi, finalement, de produire du contenu pour les autres. On l'a vu, on nouait des partenariats, mais plus que de nouer des partenariats, vous imaginez bien que Joel Press ou Klops, ils veulent un retour aussi. Ils ne vont pas dire, ok, très bien, on vous ouvre un truc, en plus, on met un journaliste dessus, ça va être génial. Non, c'est à vous de créer du contenu. Donc là, c'est notre spécialiste en rédaction web qui fait ça, parce que moi, je fais trop de fautes. Mais du coup, là, l'idée, c'était, ok, on va créer du contenu pour pour ces sites-là, et après, on va les lier à notre page principale. Ce qui nous a permis, en l'espace de 6 mois, d'être dans le top 3 sur toutes les requêtes. Résultat, l'auto, plus jour. Nous, ça nous faisait quelques milliers de visites par jour, et on en était bien contents. Et après, on a vu quelque chose. On s'est dit, oh là là, on va aller plus loin, parce que ça, c'est encore un peu minable. On va aller plus loin, on va essayer de se faire un vrai média. Pourquoi pas ? Dans le poker en ligne, il y a plein de sites internet qui font des actualités. Dans le pari sportif, j'en parle pas, dans l'autofoot également. Mais en loterie, il n'y a rien. Personne ne publie rien. La FDJ publie à peine des communiqués de presse et ils sont repris par l'AFP, mais version, je sais pas, ça se compte sur les doigts d'une main en l'espace d'un an. Il y a peut-être quelque chose, il y a beaucoup de joueurs, donc peut-être que les gens sont intéressés pour lire des histoires de gagnants et autres. Donc on s'est mis à faire un article par jour, quand on n'est pas en vacances. Ce qui a découlé à la création de communiqués de presse. Et donc là, quand on parle de communiqués de presse, on parle de relations presse, on arrive forcément au volet netlinking. Petite parenthèse, aujourd'hui, 2017, le netlinking, j'ai beau le troller, c'est le vecteur numéro 1 pour se positionner. Clairement, un site internet qui a du trust, un site internet qui a du bon netlinking, même du mauvais d'ailleurs, si le trust ne se fait pas pénaliser, c'est ce qui va vous faire ressortir. Clairement, aujourd'hui, règle numéro 1, faire du netlinking, mais règle numéro 0, avoir du contenu pour que Google comprenne et être positionné sur la longue traîne. Alors, on l'a fait comment ? On a fait de la relation presse. Aujourd'hui, on a 5 à 10 liens presse par semaine. Je vais assez vite là-dessus, après je présenterai les grandes lignes. C'est énormément de taf. J'ai jamais fait de relation de presse, hein, donc je fais vraiment ça un peu en mode bricolage. Je fais ça un peu avec mon cœur, un peu avec mes tripes, et finalement j'instaure des vraies relations avec les journalistes. Donc ça a pris vachement de temps. On a commencé il y a 3 ans. Il y a 3 ans, je me prenais des refus, j'avais pas de réponse et autres. Aujourd'hui, quand je dis des reprises en quelques minutes, c'était il y a 2 semaines, par exemple, avec une presse réunionnaise. À 8h50, j'envoie le CP. À 9h30, il y a 5 retours. Avec 5 liens et 5 fois l'infographie qui est récupérée. Donc ça c'est bien, ça c'est pertinent et ça coûte 0 pour nous. Alors ça je l'ai mis, normalement faut pas le mettre, mais alors, du coup j'ai essayé de tout lire et tout assumer. Donc pour des cas spéciaux, on achète du lien. Par contre je voulais le mettre parce qu'on n'achète pas du lien pour il y a une page qui est ciblée qui est top requête sur je sais pas moi jouer machin. Ça je vais pas l'acheter. Par contre je sais qu'il y a un événement spécifique. Tiens au mois de mars il y avait un nouveau loto. Un nouveau loto ça veut dire quoi? Ça veut dire communiqué de presse de la part de la FDJ, ça veut dire récupération de la part de l'AFP, ça veut dire que ça va parler. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que je trouve un angle quelconque pour bypasser un peu ce côté-là, ce côté AFP, et intéresser un peu les presses? Donc là, pour la petite histoire, l'idée c'était de se céder de quelques sites internet, de quelques portails, pardon. On se met d'accord sur la date de publication, sur l'heure de publication, et comme ça, dans les Google News, on va faire un sujet trend, on va réussir à créer un cluster, et le cluster là, par exemple, c'était avant, après, ancien loto, nouveau loto, qu'est-ce qui a changé? Est-ce bien pour les joueurs? Là où la FDJ était plus sur, il y a une nouvelle tombola, c'est trop bien. Résultat, on a été repris par BFM et par Figaro, en plus des liens qui nous avaient aidés à monter. On va dire. Et puis finalement, quatrième volet de notre linking, c'est les liens poussés avec nos partenaires. On se rappelle, toujours nos partenaires qui sont dans les Google News. On a 2-3 plateformes comme ça qui nous aident, qui sont trustées, qui existent par le biais d'autres lignes éditoriales. Et cela, on a à peu près, on peut écrire un peu ce qu'on veut, et du coup, dès qu'on se fait récupérer par une presse locale, on écrit un article sur le sujet et on va mettre un lien. Ça nous permet de grossir un petit peu la notion de netlinking et d'y apporter encore plus de puissance. Donc finalement, je fais quand même beaucoup de SEO. Quand même.
quelques exemples, mais vraiment rapides. Faut regarder uniquement le carré, parce qu'il y a une constante. Peu importe là où on est repris, sud-ouest, et puis je termine par France Bleu. Au-delà de se dire que c'est des gros sites et que c'est des gros liens, vous avez tous remarqué qu'il n'y a aucun lien suroptimisé. C'est que des liens brand, et j'ai rien demandé. Moi, je demande juste sourcer notre site internet, parce qu'on envoie une infographie, je vous montrerai derrière, mais je dis rien d'autre. Donc ça, en fait, c'est des vrais liens naturels. Si vous avez un journaliste qui vous cite un jour, bah, il mettra ça, il mettra le brand, il mettra tirage-gagnant.com ou votre site.com. Donc, ouais, mais moi, je leur dis en mentionnant rien. Ouais, je demandais, mais je le fais d'une façon particulière. Et oui, au début, je disais juste sourcer, puis parfois, il sourçait, mais juste la mention, donc j'étais obligé de revenir à l'attaque. Et là, l'idée, c'était, c'est super important, parce qu'en fait, aujourd'hui, on réussit à se positionner sur des grosses requêtes en ayant zéro encre optimisée. Je suis pour le zéro encre optimisée, parce que si votre contenu est bien fait, si votre contenu est bien hiérarchisé, et s'il est en masse et en volume, Google va clairement comprendre où vous allez, et le site internet que vous possédez, nous, totalement sur la loterie, et d'autres catégories, par exemple, sont beaucoup plus pauvres en contenu, et on ressort beaucoup moins. Avec ça, on lit effectivement des médias. Et là, je vais vous expliquer pourquoi le média. Donc le média, la règle numéro 1, on s'en sert parce qu'effectivement, ça nous permet, nous, d'avoir une légitimité à demander un lien. Forcément, on ne va pas donner uniquement de l'informatif, on va donner aussi un média, et s'ils le reprennent, logiquement, ils nous font un lien. Mais c'était pas ça, finalement, c'était ça l'intérêt de base. Par contre, après, on s'est rendu compte que finalement, il y a aussi le nom, quoi. Il y a le nom tirage gagnant sur les médias. Il y a le nom tirage gagnant en bas des infographies. Et puis une fois, je me suis fait appeler par une radio qui m'a demandé si je voulais passer en interview 2 minutes sur le sujet du gagnant local en Puy-de-Dôme. Waouh, ok, bah allons-y. Et je me suis dit, bon, bah ça va pas m'apporter de lien. Bah non, mais par contre, les mecs qui sont en voiture et puis qui écoutent le truc, bah Nicolas Urbino de tirage gagnant, machin truc. Et je me suis dit, ah ok, faut séparer en fait l'aspect autorité et popularité sur Internet et l'aspect popularité réelle en fait. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, bah écoutez, je vais regarder un petit peu ce que ça donne en termes de partages sociaux. Et aujourd'hui, en moyenne, les partages sociaux, c'est 500 partages sociaux sur Facebook et autres, sur ces sites-là, sur leurs propres réseaux sociaux. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire. Finalement, on se dit, ok, ça, je peux pas le matérialiser, mais c'est quelque chose qui existe vraiment. Et ça s'est vu ensuite dans les analytiques. Là, je vous ai récupéré une slide qui avait été faite préalablement, parce qu'en fait, c'était pas le sujet de la conférence, mais je vous le donne quand même, parce que c'est quand même des petits tips sympas. C'est nos 7 règles à suivre quand on fait de l'URP. Je vais très vite, on capte une info, une tendance. Il y a un tirage loto, on nous dit qu'il y a un gagnant en Charente, boum, ça c'est mon info. Ensuite, on imagine l'angle à donner sur les supports. Bon, ça on sait faire. Du coup, l'angle c'est quoi? Ça va être, ok, c'est le 1er gagnant de l'année sur cette région-là? Est-ce qu'il est dans le top 5 des gagnants? Ça va me donner l'information. Que derrière, je vais pouvoir mettre en infographie, ok, je vais créer le top 5 des gagnants pour la Charente, par exemple. Ensuite, je crée l'article sur mon site internet pour pouvoir leur dire, ok, sourcez notre article qui est ici, qui normalement en plus est plus conséquent que le CP que je vais leur envoyer, histoire que ils puissent en plus prendre de l'information sur notre article source. Quand j'envoie le CP, je ne l'envoie pas à tout azimut. Hein. Là, c'était pour le Charente, bah, c'était lundi. Pour la Charente, ce que je vais faire, c'est que je vais faire actualité Charente, actualité Angoulême, presse Angoulême, radio Angoulême, TV Angoulême, et ça y est, j'ai tout le spectre des presses locales de Charente. Et ensuite, je leur envoie chacun un petit mail bien sympa. Et j'attends les retombées. Là, il y avait eu 2 retombées en l'espace de 2 heures. Donc, qu'est-ce que je fais? Je regarde. Il y a un lien, il n'y a pas le lien, il y a notre média, il n'y a pas notre média. Quoi qu'il en soit, je passe à l'étape 7, je remercie. Je remercie soit vraiment en disant, ok, c'est top, vous avez tout fait. Je remercie en disant, est-il possible d'avoir le lien, ou si c'est une mention sans lien, est-il possible d'avoir un lien? S'ils disent rien, c'est pas grave, je laisse tomber, et la prochaine fois, je dirai quand même les recontacter, parce que l'expérience a fait que, il y a des fois, bah, c'est pas les mêmes journalistes, et du coup, vous pouvez avoir un lien, et un autre jour, vous n'avez pas le lien. C'est des journalistes PQR qui ne sont pas forcément hyper web. Donc voilà, il ne faut pas s'amuser à faire un clash sur Twitter, sinon vous allez tout perdre. Alors c'est moment warning. C'est moment warning parce qu'en fait, hier, il y a eu une discussion sur Twitter dans notre petit microcosme. Cette RP, c'est des choses que vous pouvez faire, vous, au quotidien, je pense, même en agence. Hein. Des choses que vous pouvez un petit peu packager. Faites attention aux plateformes d'achat de liens qui vendent des liens très chers. Faites attention parce qu'il peut arriver... Vous, par exemple, en Suisse, ou même dans cette partie de France, Haute-Savoie, pour ceux qui viennent de Haute-Savoie, vous avez de la chance, vous avez la culture de l'investissement. Vous souhaitez mettre du budget. Et bien moi, aujourd'hui, je vous dis, mettez moins de budget dans l'achat à 1 000 euros d'un lien. Par contre, investissez dans un ou plusieurs attachés de presse. Ça sera mieux. Et troisièmement, le volet technologique. Le volet technologique, c'était un gros mot, là. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire,
Ça, je m'en occupe pas du tout. Moi, j'ai plutôt l'aspect marketing. L'idée, c'était de se dire, OK, on a un site de niche et on n'a qu'un seul site. Il va falloir être au taquet dès qu'il y a du changement, dès que Google change, dès que les choses évoluent. Et ça, c'est plutôt mon associé Simon qui s'en charge. Donc, on avait déjà vu, début 2014, on faisait plus de 50% de trafic mobile. Waouh, il y a urgence. Google nous dit, en avril, c'est Mobile Gaiden 2015. Ah ouais, mais nous, on n'attend pas, quoi, parce que les gens, ils sont déjà sur mobile. Donc, ils voient déjà la version dégueulasse du site. Donc, on fait ce qu'on veut. Et l'idée, c'est qu'on fait ce qu'on peut pour la sortir le plus rapidement possible. Bon, avec nos petites mains, ça prend quand même quelques mois. Ensuite, il y a le passage à l'AMP. Gros débat sur AMP. Gros débat. Notre débat, nous, en interne, il s'est arrêté simple. Il s'est arrêté le jour où on s'est dit, OK, on va se mettre un peu dans la peau. C'est un terme persona. On va se mettre un peu dans la peau de l'utilisateur Euromillion lambda. Mais moi-même, d'ailleurs. Bah, je suis quoi ? Je suis au bar le vendredi soir à 21h30. Je vais aux toilettes, puis je vais consulter les résultats. La plupart du temps, d'ailleurs, dans les toilettes, le réseau passe mal. Donc l'AMP, c'est quand même vachement mieux pour charger avec du Edge qu'une version normale. Donc là, pareil, on a pensé à l'utilisateur, en fait. On s'en fout après qu'il y ait des mises en cache, machin et tout. Ouais, bon, OK. Et on va voir après que finalement, c'était aussi salvateur. Le site fonctionne par pic de trafic. Donc il a fallu aussi se dire, OK, il y a un moment donné, il va falloir trouver une solution serveur qui tienne la route. Pendant 3 ans, on est tombé à chaque gros tirage. Alors les gros tirages, ça ne fait pas forcément le gros revenu. Sauf que d'un point de vue notoriété, toujours pareil pour l'utilisateur, c'est moyen. Quand il y a 100 000 personnes qui passent sur votre site et qui voient une page 404 ou une 503, ça fait un peu mal, quoi. Donc là, l'idée, c'était de passer sur quelque chose avec 12 clusters. Et heureusement, aujourd'hui, on peut tenir une charge de 100 000 personnes en ligne. Bon, ça tombe bien, on n'a jamais dépassé 19. Et finalement, l'idée, c'était développer des outils pour les joueurs. Là encore, on voit la ligne. Hein. La ligne, c'est on pense à l'audience d'abord. On commence à analyser, on commence à se dire au bout de 2 ans de création, OK, que veulent finalement ces joueurs? Nous, on est des joueurs, OK, qu'est-ce qu'on voudrait voir? On veut voir des outils pour les joueurs. On veut pouvoir calculer nos gains rapidement, on veut pouvoir rentrer des grilles fétiches, on veut pouvoir faire des grilles flash. Bref. Donc là, quand je vous parle depuis tout à l'heure, c'est vraiment inhérent à notre projet. Essayez de voir ça avec vos propres projets. Donc une fois qu'on avait tout ça, c'est des exemples de la version mobile. Alors, je vous ai mis 3 exemples. Ils ne sont pas là pour rien, pour le hasard. Le premier, c'est la home page. L'idée, c'est qu'on voulait faire un truc sympa pour la navigation. Donc on s'est dit, OK, on va faire quelque chose qui ressemble à une app. Paf, les gens, ils vont là où ils ont envie d'aller. En plus de ça, on peut quand même se faire un peu d'argent avec de l'affiliation. Deuxième, pareil, on pense, le mec, il veut quoi? Le mec, il est sur son mobile. Ou la femme, elle est sur son mobile. Il arrive, qu'est-ce qu'il veut? Il veut regarder les résultats, c'est tout. Donc on lui donne le résultat. Ensuite, il y a une bannière AdSense, mais en soi, s'il part derrière, OK, il part derrière, il est content, il a eu son résultat, et franchement, on lui demande rien d'autre. Et derrière, par contre, il y a la notion de rétention. OK, c'est un joueur qui veut en savoir plus, ou qui ne veut pas s'embêter à aller chercher le résultat à chaque fois. Là, on lui propose, en 2 clics, de s'inscrire et s'abonner pour les alertes mail. Donc chaque landing est adapté pour l'audience. Et là vient le KAMP. Alors le KAMP, on l'avait mis, j'avais mis mai, mais je crois que c'était en mars, bref, peu importe. Dès le lancement d'AMP, il n'y avait pas ces notions de carousel news. C'est-à-dire qu'on mettait AMP, mais il n'y avait pas d'autre gain finalement que d'avoir une page rapide et en plus de s'embêter clairement à la faire et à mettre des pubs. Mais rapidement, on a vu qu'AMP, ça servait à ressortir dans les carousel news. Il a dégagé le bloc news, qui était déjà en place depuis 2-3 ans, et il l'a remplacé par ça. Que ce soit sur mobile ou sur desktop, savoir que c'est le bloc AMP qui ressort en fait. Et par chance, on n'est pas du tout dans Google News en fait. Donc, j'ai pas encore la réponse concrète là-dessus, mais j'imagine que le pic de trafic plus le côté où on a des partenaires qui sont dans Google News nous aide à revenir sur ce carrousel. Donc là, c'est un petit message aux médias qui ne serait pas encore passé sur AMP. Je vous mets les statistiques AMP. Au début, c'était 10 000 visites par mois. Aujourd'hui, en moyenne, c'est 700 000. Alors, si vous, ce soir, on est à l'apéro, vous essayez de me dire vraiment concrètement pourquoi il ne faut pas mettre AMP, je crois que je vous croirai pas. Là, on va passer à la section résultats. La section résultats, c'est en termes de valeur de trafic. À la base, on voit on est ultra site référent dépendant. Aujourd'hui, on voit on est ultra SEO dépendant. Sauf que on a 2 choses intéressantes. On a les accès directs, où l'année dernière, on était quasiment à 20%. Ce qui veut dire que finalement, même si les accès directs, c'est pas toujours évident à traquer, l'idée, c'est de se dire, OK, il y a une notion de brand qui s'installe. On voit que les personnes, au bout de 4 ans, elles tapent tirage gagnant loto, tirage gagnant Euromillion. Donc, le côté brand, ça marche. Ensuite, si on va en valeur, alors ça, tweetez-le pas, ça sera sur la vidéo, mais c'est entre nous là pour le moment. Je partage les stats de visite, pas pour me palucher, juste pour dire, OK, il y a une réelle évolution. Et en fait, si on s'était arrêté à 2 ans de création,
on était à 30 ou 40% des possibilités créées par cette niche. Bon, là, on est quand même pas trop mal et on va redescendre, en fait, parce qu'on verra tout à l'heure que tout n'est pas tout rose tout le temps. Et bon, le point noir, c'est les sites référents, là. Faut qu'on retaffe un peu là-dessus, c'est un peu compliqué. Et les accès directs, bon, bah voilà, on est content parce que ça commence à générer vraiment du trafic, ce qui veut dire que si demain Google a décidé de nous blacklister, on a quand même 10 000 visiteurs par jour qui sont là et qui disent OK, il y a moyen de faire quelque chose. Alors ça, c'était un Google Trends. Je l'ai mis parce que je trouvais ça marrant que la base 100, ce soit cette semaine. L'idée, c'est de se dire Google Trends, c'est un outil qui permet de voir sur une base 100 l'évolution des tendances de recherche. Donc là, très concrètement, on se dit OK, on voit que la tendance, elle n'est pas encore très nette, mais la tendance est un petit peu à l'évolution. Se dire encore que OK, la notion de marque, ça peut finir par marcher et le but, c'est vraiment d'accentuer ce côté brand pour passer d'un site de niche à un site d'autorité. Alors, je ne suis pas le seul à faire ça. Donc là, petit big up à toutes les personnes qui ont créé des sites en tant qu'éditeurs et qui sont aujourd'hui référents sur leur domaine. Cbank, Scooter System, Foodpack, Scooterfomania. Tous des sites qui, à la base, pareil, partaient de zéro. Ils font les choses beaucoup mieux que nous. Et ont des vrais journalistes en interne, ont des vraies équipes de vidéos, des vraies équipes de photos et font du bon boulot en étant juste éditeurs. Alors, s'il y a bien une règle, par contre, c'est qu'il ne faut jamais s'arrêter. Toujours courir. Et le Samoyed, là, qui est joli, il nous invite à se dire, OK, on va aller encore plus vite. Et l'idée, c'est ça, c'est de jamais s'arrêter. Il faut toujours, dans votre projet, que vous ayez... Vous voyez, en 2013, on avait cette idée-là. En 2014, on avait cette idée-là. En 2015, on avait cette idée-là. Chaque année, on apporte une pierre. Et en tout cas, ce que je crois de ce côté très mono, enfin en tout cas si vous êtes en agence, de vous imprégner clairement du site d'un client, de comprendre clairement comment il fonctionne et son audience et autres, et vous allez aller très loin, j'imagine. Là c'est sur la V2 en fait, donc c'est la V2, l'idée c'était OK, qu'est-ce que le joueur veut? Le joueur veut, il veut jouer, tac, en plus on a une offre spéciale FDJ. Le joueur il veut regarder le résultat et puis il veut peut-être avoir un petit peu d'informations. Donc on va lui mettre ça dans une page. Le joueur, il veut des outils, donc paf, on va lui faire un outil un peu joli, un peu graphique, il va avoir une petite animation, et puis derrière, s'il a gagné, s'il n'a pas gagné, on lui propose quand même de jouer sur FDJ. Et puis derrière, voilà, un côté un peu graphique pour que finalement, la personne, elle ait un intérêt supérieur à venir chez nous pour côté « Ah, ok, c'est sympa, en plus, je vois où il y a le gagnant », alors que sur FDJ, il n'y a pas. Toujours, c'est l'intéressé. Ok, sur FDJ, il n'y a que ça. Comment je peux apporter une info supplémentaire? Alors, se rapprocher pour exister. Non, celle-là. Dès le départ, on s'est dit, OK, tous les sites internet concurrents ne proposent pas d'affiliation FDJ. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc, ils ont peur, ils n'ont pas testé. Nous, l'idée, c'est de se rapprocher complètement de FDJ. De toute façon, ils ont le monopole. Ils ont le monopole, donc je ne vais pas aller, c'est pas comme Betclic, Google Max et autres, où là, vous pouvez aller sur plusieurs acteurs. Là, c'est le seul. Donc, soit on joue avec eux, soit on joue avec personne. Donc, l'intérêt de jouer avec eux, c'est que d'un côté, on a une casquette marketing en tant qu'apporteur d'affaires. Donc on peut aller, on est au courant 6 mois avant des grosses OP, ce qui nous permet, nous, derrière, pour les équipes de rédaction dont je fais partie, de créer du contenu bien en avance et de préparer justement des grosses campagnes RP. Deal en direct, voilà, ça nous permet d'avoir demain une landing page avec 10 € offerts en passant par tiers du gagnant. Ça c'est quand même vachement classe. Et puis on a le pôle presse, parce qu'en fait on est un média aussi. Nous pour FDJ, ils ont raison, on s'installe comme un tiers de confiance. Vous avez le monopole. Donc nous, on est là, on fait OK, on est des joueurs, on a créé un média pour des joueurs, par des joueurs, l'inverse, par des joueurs, pour des joueurs. Et clairement, bah, l'idée, c'est de dire, on peut peut-être travailler ensemble, de toute façon, parce que vous avez tout à gagner. Nous, bah, on est content aussi de travailler avec vous, parce que bah, on a des informations sur les gagnants, des informations spécifiques. Toute la data, c'est eux qui l'ont, donc ils nous la donnent. Et ça, c'est cool, ça leur permet, eux, d'avoir un peu moins de travail derrière. Et puis nous, bah, on est content aussi, parce que ça nous fait exister. Les invitations presse, l'auto 40 ans. Alors, quand il y a Roselle Mac et autres qui sont invités aux 40 ans du loto, puis que vous êtes là, vous, tac, ah, je suis là aussi. Bon, bah, c'est sympa, voilà, c'est sympa, puis du coup, ça permet de montrer, en fait. Ça permet de se dire, OK, c'est pas deux guignols qui sont en caleçon devant le Mont Blanc. Ça, ils font ça la semaine, mais finalement, aussi, le reste du temps, bah, ouais, ils existent, en fait. C'est vraiment quelqu'un, c'est quelqu'un, et c'est tangible, et donc, bah, les gens, ils vont pas vous gicler du jour au lendemain. Donc, ça, c'est pas mal, ça, c'est vraiment la patte éditeur. Hein. Et puis, le lien avec le social media. Voilà, on connaît la CM de la FDJ, donc on lui dit, bah, OK, si tu as une communication que tu veux pousser particulièrement, on peut peut-être faire quelque chose. Avec toujours cette liberté de dire, OK, bah nous, ça ne me plaît pas, et nous, on lui fait des retours. On n'aime pas cette règle-là, pourquoi tu l'as mis en place? Ah bah, ça permet aussi de dénouer parfois des trucs. Ah ouais, OK, tu l'as fait pour ça. Donc, très bien. Donc, premier apporteur d'affaires 2016-2017, donc là, c'est Champagne. Et ça, en fait, c'est pareil, c'est pas pour toucher, c'est juste pour dire, OK, les autres n'y étaient pas. Il suffit juste un peu au culot de dire, OK, coucou, on existe, on a envie de faire quelque chose de bien.
est-ce qu'il y a moyen de mettre quelque chose en place ? Mais tout n'est pas rose. Elle sort dégueulasse, cette image. Tout n'est pas rose. Tout n'est pas rose et bah parfois, ça marche pas, quoi. Joel Press, bah, il n'existe plus, ils ont fait dépôt de bilan. L'Obs, ça rapporte plus trop comme avant. Et puis Rue des Joueurs, ils ont décidé d'arrêter parce qu'ils se sont orientés sur quelque chose et ils ne croient plus en SEO. Donc bon, ça fait mal. On essaie de retrouver les partenariats, mais effectivement, ça fait partie de la vie d'un site internet. Bah, c'est de finalement, parfois, on se prend des baffes. Et parfois, on se prend des baffes, même avec ceux qui nous plaisent bien. Donc FDJ, bah, on est passé d'un lead à 15 euros et aujourd'hui, on est un lead à 7 euros. On leur envoie beaucoup plus de joueurs, mais il en faut au moins deux, même plus que deux, pour qu'on gagne ce qu'on gagnait en 2014. Ça, c'est la vérité. Et le troisièmement, c'est quoi ? C'est Google is evil. Parce que Google, il y a un mois et demi, il a décidé carrément de mettre les résultats du loto dans les SERP, conjointement avec FDJ, finalement. Et ça, c'est 30 à 40% de trafic en moins. Et par chance, c'est 10 à 15% de CA en moins. On s'est dit, ok, bah en fait, on a perdu le trafic, entre guillemets, poubelle. Et maintenant, on va se concentrer sur les joueurs. Est-ce que c'est la fin de tout ou non ? Alors non, je ne crois pas que ça soit la fin de tout. C'est pour ça que le soleil se lève tous les matins. Et que finalement, on se dit, ok, bon, bah, on se prend des baffes, on essaie de rebondir, on essaie de voir comment on peut évoluer, comment on peut se remettre de tout ça. Donc là, je vais vous balancer un petit peu l'avenir, comment on le voit. Oui, c'est un chien robot, je fais tout dans le chien. C'est un site de niche après tout. Et donc en 2016, on s'est dit, ok, bon là, il faut faire quelque chose, il faut grossir. Paf, Loterie Plus, c'était un site qui était instauré depuis 2004, on a essayé de le racheter. L'avantage qu'il avait pour nous, c'est qu'il était spécialisé sur la loterie européenne. L'avantage autre, c'est qu'il avait vraiment une communauté de joueurs fidèles. Clairement, il avait une communauté de vrais joueurs, quoi. Donc il y avait quelque chose à en sortir, des joueurs qui aimaient les stats. Et puis troisièmement, il avait cet aspect avec la Suisse romande, la Belgique, le Luxembourg. Parce qu'en fait, on avait fait les cons, on avait fait un hreflang FRFR. On partait tellement loin avec des concurrents qui étaient là depuis 98 qu'on s'est dit, ok, on focus FR, de toute façon les Belges ils sont pas beaucoup, les Romands encore moins. Donc on s'est dit, allez, on met de côté ce truc-là. Bah, puis finalement, en fait, ça génère du trafic. Donc bah, 3 ans plus tard, on s'est dit, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Et puis, faut se diversifier en fait, faut se diversifier parce que notre site il est voué à mourir finalement dans les années à venir. Donc on décide de faire des sites internet dans différentes langues sur des loteries étrangères, quoi. Donc on a 3 sites internet avec 3 langues différentes pour proposer autre chose et pour finalement un peu subsister, quoi. Et puis bah, dans l'avenir, on s'est dit, bah, pourquoi pas faire un vrai média en fait. Faire un vrai média et puis on va sortir un hors-série papier. Alors ça c'est dans les cartons, hein, ça devrait sortir en septembre. Mais l'idée c'est de faire vraiment un site internet dédié en se disant, ok, on est référent sur ce domaine-là, mais pourquoi ça serait pour Tirage Gagnant et pourquoi pas un autre, vu que maintenant on commence à avoir une galaxie. Donc l'idée c'est vraiment de créer ça. Quand je vous dis ça, c'était ce qu'on a mis en place aujourd'hui. Les 4 ans de réflexion qu'on a eu et où on en est aujourd'hui. Mais bon, en fait, on reste des foutus sites de niche, quoi. C'est des sites de niche, quoi. C'est des sites qui sont demain. Et demain, on vaut quoi, nous ? FDJ, il décide de couper l'affiliation. On fait quoi ? Bah, on pleure. Je sais pas, moi, Google, il a décidé de prendre encore plus de place. Déjà que c'est beaucoup. Dans les SERP, on fait comment ? Google AdSense, le CPC. Bon, bah là, vous voyez, par exemple, les 30 à 40% de trafic, bah, ils vont impacter directement notre Google AdSense. Donc on fait quoi ? On finit par regarder tranquillement et puis par se dire bah, on est mort. Et donc c'est là où l'idée est de créer son indépendance. Au mois de juillet, on va créer notre premier produit. Bon là pareil, hein, je vous invite pas à le consommer. Mais c'est l'idée, c'est de se dire, ok, on a compris l'audience, on se fait bouffer petit à petit, on a une force de frappe parce qu'on a une audience qui est réelle, comment on peut la convertir derrière et comment on peut faire un vrai produit pour être indépendant et pour dire parfois bah merde à FDJ s'ils ont sorti quelque chose qui nous plaît pas, pour dire bah merde à Google, tu vois, je sais faire sans toi. Voilà, donc c'est j'ai quasiment terminé. Il y a le Saint-Bernard, alors les Suisses reconnaîtront le Mont-Cervin. En fait, ce qu'elle veut dire cette image, c'est qu'on est en fait jamais au sommet. Clairement, ce premier plan et ce second plan, ils nous montrent qu'on a toujours à faire. Et clairement, il y a toujours à faire. D'année après année, dans la constitution de notre projet, les choses ont bougé, les choses ont évolué. Et en 2013, vous m'auriez parlé d'un produit. Ah, mais jamais. Nous, on était au CPC, monétisation de base, point barre, quoi. Vous m'auriez parlé, en 2013, on va racheter un concurrent. Ah, mais pareil, jamais de la vie. Et en fait, on pourrait rester sur ce côté où on n'atteindra jamais le sommet. Sauf que les sites de niche, il y a beaucoup de chiens. On n'est pas des chiens, on est des humains. Et Kylian Jornet,
Lui, il arrive à gravir les sommets. Donc là, c'était simplement... y a tout. Non, il n'y a pas tout. Et en fait, c'était simplement pour se dire, aujourd'hui, bah, on peut toujours se surpasser. En tout cas, je pense qu'on peut toujours se surpasser. Jamais abandonner. Si vous abandonnez pour une quelconque raison, parce qu'il n'y a plus de passion et autres, ça peut arriver. Mais à force de sueur et de travail, je pense qu'on peut arriver un peu à tout. Merci à vous. J'ai une dernière explication à faire, c'est sur cette petite image. C'est un joueur de pipeau. Depuis 6 ans que je donne des conférences, je mets toujours un joueur de pipeau à la fin. Ce joueur de pipeau, il veut dire quoi? Il veut dire, aujourd'hui, ce que je vous ai dit, c'était peut-être du pipeau. En tout cas, beaucoup de blabla. Et clairement, demain, si vous suivez uniquement les autres, vous n'allez pas vous allez pas monter, vous n'allez pas vous créer une propre identité pour un projet, j'entends, pas en personal branding. Et donc, clairement, le SEO, hein, on revient au SEO, c'est du test, tout le temps du test, pour vous faire votre propre vérité. Pas forcément parce que ce que vont dire les personnes sont fausses, mais ce que je dis là, moi, je vous ai ouvert les portes d'un projet juste en disant, bah voilà ce qu'on a fait. Mais voilà ce qu'on a fait pour un projet qui est particulier, pour une audience qui est particulière. Peut-être qu'effectivement, ça marchera différemment avec vos clients. Donc clairement, le joueur de pipeau, il est là pour vous rappeler que bah, chaque vérité, elle appartient à une seule personne, et c'est vous. Merci.